Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, on est en train de voyager. On est en train de quitter Yaoundé pour aller dans la ville de Tchang. On va passer par Bayangam, le village de mon mari. On va faire un petit crochet là-bas. Famille, les enquêtes continuent sur notre sœur qui veut partir de l'Allemagne pour le Cameroun. On va ici comprendre son salaire. Son salaire et le salaire de son mari, leur salaire annuel. Elle a dit elle-même que c'est plus de 80 000 $, donc plus de 54 millions l'année. Et on va voir ses investissements. Elle dit qu'elle a construit un R plus 2, donc plus de 9 appartements ici à Yaoundé. Écoutez attentivement notre soeur où elle se mord de nous. Ceux qui viendront dire que tu cherches quoi dans sa vie là, non. Tout ça se retrouve sur internet, c'est elle qui expose sa vie. Écoutez attentivement ce qu'elle nous raconte. Mon mari et moi, nous sommes salariés. Ça veut dire qu'on part tous les lundis jusqu'à vendredi travailler pour quelqu'un. On n'est pas à notre propre compte, ou du moins pas encore. Et voilà, donc ce qui fait qu'on en reçoit un salaire à la fin du mois. Mon mari est ingénieur, nous aussi, moi aussi, je suis ingénieur. Donc du coup, regardez un peu sur internet la moyenne des salaires en Allemagne, des ingénieurs, voilà, c'est tout. Il y a une moyenne qui est là et vous pouvez à peu près deviner ce que nous on gagne. Et c'est pour ça que je trouvais assez déplacé pour ceux qui sont venus demander exactement que, mais qu'est-ce que vous, combien gagnez-vous pour pouvoir vous investir au Cameroun et en même temps en Europe, voilà. Les 40 000 € l'année, ça signifie que mon mari et moi, nous sommes deux, donc si on va regarder la moyenne, ça veut dire que nous sommes à 80 000 € l'année. Et il faut savoir qu'en Allemagne, il y a ce qu'on appelle l'argent des enfants, Kindergeld. Et on donne à peu près 250 € par enfant par mois. Généralement, quand ils font ma vidéo, leur père va se balader avec eux pour que je puisse tourner. Mais je voulais tourner avec la lumière du jour parce qu'ici, je n'ai pas de green light et leur père va arriver, il va faire noir déjà. Je vous présente Kimora, ceux qui ne l'ont pas encore vu, c'est ma princesse Kimora. Et mon mari et moi, ça fait 80 000, ça c'est le salaire brut, hein. Ça c'est le salaire brut. Mais la différence c'est que, bon, on touche un peu plus que la moyenne quand même. La moyenne ne veut pas dire que ça concerne tout le monde. Mon mari et moi, on a un peu plus que la moyenne. Et concernant, bon, j'ai déjà dit le côté salaire et tout, on n'a aucune autre activité, on n'a aucune autre entrée financière en dehors de nos salaires. Maintenant, c'est pour cela qu'on se bat pour avoir d'autres entrées financières en dehors de notre salaire. Mon mari, lui, il n'a pas de voiture personnelle, il utilise sa voiture de service pour faire ses choses, pour faire, voilà. Moi, oui, j'ai une voiture, mais en tout moment, je n'ai pas eu à l'acheter. J'ai une voiture, oui, mais je n'ai pas eu à l'acheter. J'ai eu la chance que mon grand frère, lui, il a aussi eu une voiture de service, et il avait sa voiture personnelle. On vient de terminer définition de 9 appartements dans la ville de Yaoundé, mais on ne les a pas fait en un coup. On a d'abord fait une première vague de 4 appartements et ensuite on a fait une seconde vague de 5 appartements. Voilà. Par rapport à chacun, ne sont pas les mêmes. Il y en a qui veulent du luxe, il y en a qui veulent du moyen luxe et il y en a qui veulent du standard, du basique. Voilà. Dans nos finitions, on a fait le moyen luxe, on n'a pas fait le luxe, on a fait le moyen luxe. Je ne peux pas dire du basique parce qu'il y avait quand même des choses que voilà, on ne retrouve pas ailleurs, qu'on a inséré. Donc du coup, quand vous voulez vous lancer dans les finitions de votre bien, ne faites pas les finitions au hasard. Ça dépend du client que vous voulez toucher, de votre cible clientèle en fait. Si on a fait des grands appartements à plus de 85 mètres carrés avec des salons à plus de 25 mètres carrés et aussi des protections au niveau des fenêtres, on est aussi obligé de mettre en fer. Pour éviter que s'il y a des bandits, ils puissent rentrer par là. Et on avait donc mélangé avec les balcons, puisque tout ça c'était la ferraille. Donc je saurais vous dire exactement combien ça a coûté par appartement. Voilà. Et maintenant, je vais additionner. Ça nous fait un total de 4 415 000 francs à peu près par appartement. Je ne peux pas vous dire. Ça, c'est juste un calcul approximatif.
Maintenant, il y a plusieurs questions par rapport à cette vidéo qui sont revenues plusieurs fois, c'est-à-dire... Voilà. Vous avez compris, j'ai coupé la vidéo juste à ce niveau. Elle dit là qu'elle a investi à Yaoundé sur plus de presque 1000 mètres carrés. 800 mètres carrés. N'est-ce pas? Et on voit là bien que c'est un Airbus de nom, 9 appartements. Chaque appartement, elle parle des finitions dans les 4 millions. Donc, c'est-à-dire que avec les grosses œuvres, c'est peut-être chaque appartement est dans les 8 millions. Si on prend donc 8 fois 9, on est à combien? On est à combien, les amis? Donc, voilà. Je me rappelle quand nos parents, quand on était au village, on disait souvent que lorsqu'un singe est perché sur un arbre fruitier en train de manger les fruits de cet arbre, il fait les grimaces pour se moquer des autres singes qui sont restés au sol. Mais ce que ces singes ignorent, c'est que le jour... Donc, ce que ces singes, autant pour moi, ignorent, c'est que quand il va finir de manger les fruits là, jusqu'à aura soif, il va descendre de cette arbre et ils iront ensemble avec les singes qui sont restés en bas au marigot pour boire la même eau. Notre soeur s'est venue, je reviens sur son histoire, j'ai un peu fait la patrouille, j'ai un peu patrouillé sur sa vie. Pourquoi? Parce que la vidéo que j'ai postée hier faisait un peu pitié, du genre, on voyait une femme qui avait tout perdu. Pourtant, et c'est où je commence à croire à certains commentaires. Parce qu'il y a eu certains commentaires que une femme qui a les problèmes, elle parle tellement bien comme ça, on ne sent même pas qu'elle a les problèmes. C'est le buzz, machin. C'est maintenant que je confirme. Donc, vous voyez, une femme qui dit qu'elle touche avec son mari sans commenter, sans compter les avantages des services, elle a plus de 54 millions. C'est-à-dire que ça revient pratiquement à 4 millions le mois. Sans compter les avantages. Donc, avec les avantages, vous connaissez bien que les avantages parfois dépassent le salaire. Donc, elle a presque 10 millions le mois. Elle dit qu'elle est en route pour le Cameroun. Elle a tout perdu. Elle veut retourner au Cameroun. Vous vous moquez de qui, non, maman? Vous vous moquez de qui? Vous vous moquez des Camerounais? Vous vous moquez de nous? Ou bien c'est une manière de décourager aussi ceux qui veulent aussi venir là-bas? Moi, quand je faisais ma vidéo hier, je disais que bon, si quelqu'un s'en sort déjà au pays, moi, je parlais des débrouillards comme nous. Nous, on se débrouille. Nous, on a peu la chance de trop fréquenter comme eux là. Mon ami, tu es ingénieur. Si tu as la possibilité de go, go seulement. Bon, c'est vrai, c'est quand même si tu, même si tu n'as rien dans la tête, mais c'est simple que il y a d'autres qui sont partis, comme je disais hier, que beaucoup souffrent là-bas. C'est généralement ceux-là qui n'ont vraiment aucune technique, qui n'ont rien, qui ont pris l'aventure seulement comme ça. Parce qu'il faut seulement aller en Europe. Mais si quelqu'un a bien school, si quelqu'un a ses bagages intellectuels, il vous assure que l'Europe est bien. Il ne vous manque pas. L'Europe est bien. Donc là, qu'on comprend, chez la femme-ci, les deux sont des ingénieurs. Même au Cameroun, mon frère, un ingénieur ne souffre pas. Un ingénieur, pas les ingénieurs qui ont des diplômes, vraiment, avaient rien dans la tête. Moi, pas des ingénieurs vraiment prêts. Même les ingénieurs au Cameroun. Allez voir ce que... Moi, je connais les ingénieurs. Je travaille avec les ingénieurs. Je connais ce que beaucoup d'ingénieurs ont réalisé au Cameroun. Même au Cameroun, les ingénieurs sont prêts. Donc, les gars sont en main. Elle vient nous naguer. Maman, arrête ça. Et l'homme qui accepte même que sa femme vienne sur Internet balancer toute sa vie, les enfants, on voit les enfants sur Internet, elle raconte leur salaire, leur investissement. Après, on va dire que Franco le Bamileke le plus bête. Vous allez après venir me dire que j'ai stigmatisé les Bamileke. Ah, c'est votre problème. Je n'ai insulté personne. Je dis juste que, avant de dire que je suis le plus bête, là, voilà aussi celle-là qui expose toute sa vie sur les réseaux sociaux. Vous avez déjà l'argent. Tu viens sur Internet balancer tout ça. C'est pour faire quoi, maman? Pour vous faire voir. On a vu. En tout cas, les amis, merci de partager la vidéo. Voilà celle qu'on avait pitié d'elle hier. Que, wow, ouais, vraiment, Asia, maman. Allez lire les commentaires un peu sur YouTube. Asia, ouais, vraiment, la vie, c'est les risques. Alors qu'elle se moque de nous. Elle n'a aucun problème. Elle vit bien. Et elle peut rembourser toutes ses dettes qu'elle parlait là. Tu es ingénieur, ton mari est ingénieur. Vous voulez fuir les crédits que vous avez pris comment? Pour aller travailler encore pour compenser ces crédits-là. Ne nous embrouillez pas. Ne ratez surtout pas cette promotion au complexe Las Vegas. Avec 600 000 francs, le complexe Las Vegas met à votre disposition une salle purement climatisée de 300 places.
avec des tables, des chaises décorées comme vous pouvez voir là, couverts, tapis rouge, deux chaises royales pour les mariés, une chambre de noces, une voiture, y compris le chauffeur pour les mariés, le Didier avec l'arsenal musical. Ne ratez pas cette promotion. N'oubliez pas surtout qu'au complexe Las Vegas, il y a également un motel de 20 chambres, 10 chambres VIP, 10 chambres classiques, un snack bar, un restaurant. Il y a également un espace pour cuisiner. Il y a le château d'eau, sans oublier le groupe électrogène en cas de coupure électrique. Contactez rapidement le complexe Las Vegas qui est situé au niveau de Mesasi, Pont et Mana. Ne ratez pas cette promotion.